Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode, ça sera un petit peu particulier. On va parler de compilation de labels surtout. Donc c'est juste pour vous montrer hein, c'est le nom des labels et autres, je vous le dirai, mais pas tous. Donc là c'est Pagano encore. Ça donc je connaissais pas, à chaque fois c'est des cadeaux, il y a peut-être un que j'ai acheté. Ça c'est celle de chez Draca. Celle-là bah ouais, je l'ai même pas ouverte. Donc ça c'est Salut Record. Ça c'est Les Acteurs de l'Ombre avec Chose Pro Z Record. Encore une des Acteurs de l'Ombre. Alors ça je pourrais pas vous dire le nom. Donc Pavillon 666. Après Hammer Intervention. Alors celle-là, ouais, je l'avais acheté, c'était donc le forum Post-Christ. Alors, encore un. Donc voilà, c'était. Souvent ils sont dans les pochettes parce que les boîtiers, c'est des cadeaux donc. Je pense qu'ils font des économies partout. Donc ça c'est le label Holy Record. Donc un petit label. Voilà. Donc Agonia. Alors il y en a sûrement d'autres. Hein. Lipocer. Non ça allemand, ça doit être un label allemand. Hein. Nos colors avec qui ça c'est album enfin label anglais, donc ça aussi ça pouvait être téléchargé gratuitement. Vous allez sur leur site, vous avez la couverture et tout. Donc, le label français bien connu. Après Wolfmonde, donc allemand je crois, donc moi j'ai 1, 2, 3, donc il manque le 4. Ça le bal français aussi. Ça c'est chez Obscur. Ça, ouais, non, il y a plus que, je pense que c'est l'association de différents labels. Et donc alors pour les trois derniers, quelque chose de bien présenté. Ça doit être un label américain. Donc c'est ça que j'avais bien aimé. Et ça c'est du format. Avec la petite mousse au milieu. Donc ceux-là ils sont bien faits, je garderai ça. C'est Nomos production. Voilà. Un truc en 5 super bien. Bon bah voilà, c'est juste une petite curiosité dans le black metal aussi. À vous de les collectionner.